Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle toujours Marina et je suis toujours une ergothérapeute et professeure de yoga. Aujourd'hui, je lance une série de courtes vidéos intitulée « On se détend ». Donc, dans chaque courte vidéo, au courant des prochaines semaines, je vais vous montrer un exercice de détente. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, bien, allez vous abonner parce que je ne mets pas toutes mes vidéos sur Facebook. Il y a certaines vidéos qui sont disponibles uniquement sur ma chaîne YouTube. On commence avec le premier exercice de détente que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Donc, ça va être un exercice qui va permettre de travailler nos réflexes de stress, les réflexes de réponse au stress, avec tout ce stress qui s'accumule à travers notre vie quotidienne, dans nos muscles, dans notre corps. Donc, c'est un exercice qui va combiner des mouvements très simples avec de la respiration qui va vous aider à vous détendre. Donc, on va commencer sur le dos avec les genoux fléchis et on va allonger les bras de chaque côté avec les paumes qui vont regarder vers le plafond. Donc maintenant, je vous fais la démonstration, puis en même temps, je donnerai les petits indices sur comment bien faire cet exercice. Donc, je commence avec ma démonstration. Donc, comme vous pouvez le constater, je bouge au niveau de mon bassin, donc je fais une bascule antérieure du bassin pour courber mon dos et ensuite je fais l'inverse. Je décolle un petit peu mes fessiers et j'essaie de rentrer mon dos dans le tapis. Okay? Donc c'est le mouvement qu'on va alterner au niveau de notre dos. Et maintenant, ce qui va arriver avec le haut du dos et avec notre cou, en fait, le but, c'est d'essayer de relâcher le plus possible votre cou pour faire en sorte que le cou suit le mouvement. Donc, vous voyez qu'est-ce qui se passe quand je courbe mon dos. Ma tête, naturellement, a tendance à se pencher un peu vers l'avant. Donc, je rentre mon menton en quelque sorte, mais je fais pas exprès pour rentrer mon menton. C'est quelque chose qui devrait arriver naturellement. Et quand je fais l'inverse, mais il y a une légère extension au niveau du cou qui se produit. Okay? Et donc, je vais me retrouver à regarder un peu plus vers le haut derrière moi. Donc, une fois qu'on maîtrise ce mouvement, on peut intégrer la respiration. Donc, regardez, quand on va courber le bas du dos, on va inspirer. On inspire avec le ventre. Et quand on aplatit le dos, ben, on va expirer. On inspire. On expire. Inspire, expire. Vraiment détendez le plus possible le haut de votre corps, vos épaules, vos bras, votre cou, pour que le mouvement devienne fluide et naturel. Donc voilà, vous pouvez faire cet exercice pendant 3-5 minutes. Prenez le temps de vous détendre. J'espère que cet exercice vous a plu. On se revoit dans une prochaine vidéo de cette série de capsules avec un autre exercice de détente. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je souhaite une très belle journée à tout le monde.